Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, j'aimerais bien vous présenter les livres dont je viens de vous parler sur mon blog et qui portent principalement sur le cerveau, les fonctions cognitives et un peu plus précisément sur la mémoire. Je vous reparlerai un petit peu plus tard. Donc, pour commencer, j'ai eu la chance de recevoir par les éditions Nathan ce livre-là qui porte donc sur le cerveau et les apprentissages, donc mémoire, attention et les autres fonctions cognitives. Alors, pour vous le montrer assez rapidement, parce qu'il est hyper complet, j'ai déjà fait une grande présentation sur mon blog. Donc, il se présente comme ceci. Donc, vous avez une partie sur le cerveau par rapport aux apprentissages fondamentaux. Puis ensuite, toute une énorme partie sur les fonctions cognitives. Et puis ensuite, quelques exemples d'applications dans des classes, dans des laboratoires. Par exemple, on parle de la main à la pâte ou de l'apsidée, qui possède un site également et qui est très très intéressant. Donc, voilà le premier. Et donc, suite à cette lecture-là, j'ai découvert que les auteurs de ce livre-là, donc Olivier Houdet et Grégoire Borst, avaient également réalisé un ouvrage à destination des enfants. Alors, quand je l'ai ouvert et je l'ai lu, bon, je me suis dit pour les enfants, oui, mais pour des élèves de collège sûr, peut-être de cycle 3, si on a des élèves qui sont capables, parce que c'est quand même des formulations pas vraiment évidentes, je trouve, pour des enfants. Donc on a par exemple voilà, toute la composition du cerveau avec tous les termes techniques. Voilà, lobe pariétal, il y a le lobe frontal. Moi, ils expliquent quand même l'utilité, mais je trouve ça assez complexe. Qu'est-ce qu'un neurone? Tout le vocabulaire scientifique. Bon, moi qui suis une scientifique, ça me convient très bien. Et voilà, comme je disais, pour des adultes, ça peut être super intéressant. L'évolution des neurosciences, le fonctionnement d'un IRM. Voilà, l'application, voilà, dans les classes, des petits tests qui nous présentent un petit peu, voilà, ce qu'on peut faire pour montrer, pour mettre en évidence, en fait, le fait que le cerveau peut nous jouer des tours. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez complexe, je trouve, pour des enfants de cycle 2. Donc, du coup, j'ai cherché et j'en ai trouvé un qui, à mon avis, correspondra peut-être mieux à mes élèves, en tout cas. C'est celui-ci, des éditions Milan. Il y a toute une collection très intéressante sur les sciences. Et là, on est sur des questions, je trouve, beaucoup plus simples et peut-être plus à la portée d'enfants plus jeunes. Donc, je vous montre quelques images. Donc, c'est super intéressant. Donc, il y a toujours un peu le vocabulaire complexe, mais beaucoup plus, je trouve, simplifié. Voilà, ça nous montre, par exemple, à quoi sert le liquide qu'on a dans notre cerveau. Il y a des petites expériences. Mettre en évidence la moelle épinière avec notre colonne vertébrale. Il y a aussi des images, voilà, expliquer que, par exemple, les connexions entre les neurones, c'est un petit peu comme des routes, finalement. Donc, c'est super intéressant. Je trouve que c'est peut-être plus parlant pour des enfants de l'âge de mes élèves. Voilà, je pense que cette question va leur plaire beaucoup. Donc voilà, ces trois livres-là, en tout cas, m'ont permis de réviser un petit peu ce que je savais sur le cerveau, les neurosciences. Voilà, notamment donc celui-là qui est très bien adapté dans celui-ci, une version beaucoup plus simplifiée. Et j'ai décidé, pour ma part, de m'intéresser pour le moment à la mémoire. Voilà, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup et qui, je pense, fait beaucoup défaut à nombreux de nos élèves, outre l'attention, dont maîtresse Aurèle vous parle beaucoup en ce moment. Voilà, moi, je me suis axée plus sur la mémoire et j'ai trouvé ce livre-là qui est vraiment super pour travailler là, pour mieux comprendre la mémoire, les mémoires plutôt, et un petit peu voilà, leur application en classe, ce qu'on peut faire pour améliorer la mémoire des élèves, etc. Donc, en fait, je trouve que la partie sur la mémoire dans ce livre-là, qui est assez complexe, mine de rien, elle est très bien reprise. En tout cas, les idées sont bien reprises dans ce livre-là. Je ne sais pas si vous connaissez la collection, mais c'est super bien fait, puisqu'il y a, comme le titre l'indique, plus de 100 idées pour finalement mieux comprendre la mémoire et mieux la travailler. Donc, on nous explique en fait les différents types de mémoire. Voilà, le développement de la mémoire, tous les troubles, enfin des difficultés jusqu'aux troubles, les compensations qu'on peut mettre en place, comment on peut travailler les différentes mémoires pour les améliorer
et ensuite voilà, améliorer les apprentissages. Donc je ne vais pas tout vous montrer, mais voilà, pour faire simple, par exemple, voilà, au départ, on nous explique donc la mémoire, je crois que c'est la mémoire de travail, si je ne dis pas de bêtises, voilà, il y a des schémas. Donc je ne vais pas tout vous montrer, mais voilà, pour faire simple, par exemple, voilà, au départ, on nous explique donc la mémoire, je crois que c'est la mémoire de travail, si je ne dis pas de bêtises, voilà, il y a des schémas. Donc je disais, il y a des schémas très simples, très bien faits pour bien comprendre ce qu'est la mémoire de travail et puis l'imbrication des différents types de mémoire. Voilà, c'est assez simple, je trouve, et assez synthétique. Donc c'est hyper bien fait. Puis ensuite, on a d'autres parties. Voilà, on va vous proposer des jeux pour améliorer cette mémoire-là. Il y a aussi beaucoup de liens entre les différents 10 et les défauts de mémoire, donc la dyslexie, dyspraxie, il y a pas mal de choses comme ça qui sont très très intéressantes. Enfin, il se lit assez bien et je trouve que voilà, si jamais on a des doutes sur un élève, sur une difficulté, sur quelque chose, on peut vite aller à la page qui nous intéresse et puis le lire rapidement. Ça va, c'est vraiment très très efficace, je trouve, comme livre. Voilà. Donc voilà, pour terminer, je vous montre rapidement donc les quatre livres que... Donc vous retrouverez le descriptif de ces quatre livres sur mon blog dans un article, même dans une rubrique qui sera spécialement dédiée à ça. Et puis je mettrai aussi cette story-là en story permanente pour que vous puissiez y avoir accès le plus longtemps possible si jamais ce sujet vous intéresse.